conduit son peuple haut. Il n'y avait pas les dieux et ton.
sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis. Je fléchis mes genoux pour l'adorer, toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis. Je fléchis mes genoux. Amen, amen, amen. Nous allons lire la Bible. Alléluia. Amen. Je vais demander à trois personnes de se tenir sur le pied. La première des personnes va lire notre texte de base dans le livre des Juges. Juges 6, de 12 jusqu'à 16. La deuxième personne va aller plus loin dans le livre des Juges 7. À partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et la troisième personne va lire un autre texte qu'on n'a pas encore lu, c'est pour aujourd'hui. Cantique des Cantiques 2 au verset 15. Amen. Est-ce qu'on a trouvé? Ah, vas-y ma fille, que Dieu te bénisse. Merci. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Amen. Juge 7, les 8 à 9. Juge 7, verset 8. Puis Gédéon, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, « J'ai fait un rêve. » Et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté, et l'est tombé. Et il l'a retourné sans dessus-dessous, et elle y a été renversée. Son camarade répondit, « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, rêvant au camp d'Israël en disant, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Amen. Cantique des Cantiques 2, au verset 15. « Prenez-nous le renard, le petit renard qui ravage le vigne, car nos vignes sont en fleurs. » Amen. En toi, comment réveiller les héros qui dorment en toi? Alléluia. Gédéon fut un héros. Nous avons vu vendredi que Dieu a été chercher Gédéon quelque part où personne ne le regardait. Gédéon battait les froments, mais c'était un héros dans l'ombre, comme on dit. C'est là que Dieu a été trouvé Gédéon. Gédéon, il s'est débattu avec Dieu pour pouvoir montrer comment il était, comment il se considérait. Le problème dans ton témoignage, ce n'est pas ce que toi ou les hommes pensent de toi. Dans ton témoignage, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Souvent, ce qui se passe à l'église, nous regardons des gens qui sont visibles en fait. Il y a certaines personnes aussi qui aiment paraître dans l'église. Mais Dieu parfois fonctionne avec des héros dans l'ombre. Alléluia. Ce n'est pas le grand chantre de l'église qui est l'intercesseur de la maison. Alléluia.
C'est peut-être la sœur qui nettoie la toilette tous les jours. C'est elle qui prie pour l'église. Comprenez que Gédéon a été retrouvé derrière, mais il a fini devant. Alléluia. Amen, amen. Alors hier, nous avons étudié ensemble quelques qualificatifs des héros. On doit identifier dans un héros, un vainqueur, d'abord la vertu du travail. Il faut aimer travailler. Tous les grands que nous voyons aujourd'hui au monde, ce sont des gens qui travaillent durement. Ce sont des gens qui ont de la force. Ce sont des gens qui ont de la discipline. Ici, on parle du domaine spirituel, discipline spirituelle. Un régime spirituel. Hier, on a parlé, il y a des gens qui ronflent. Nous avons mis notre sœur a lu. Dieu a demandé à Gédéon, la nuit, Gédéon, descends. Si tu as peur, prends ton serviteur, allez écouter, ne serait-ce que ce que tes ennemis pensent de toi. Et ces paroles vont te fortifier. Je dis ceci, si Dieu veut te bénir, si Dieu veut t'amener quelque part, Dieu est capable d'utiliser même tes ennemis. Dieu donne la vision à tes ennemis et il en donne aussi l'interprétation. Et Gédéon a entendu ce que les ennemis pensaient de lui. Il a dit, oh, c'est ce que le monde pense de moi. Et c'est fini. Gédéon a compris, à partir de ce moment, j'ai la victoire. Parce que les ennemis eux-mêmes ont confessé la victoire. L'autre a dit, je vis un rouleau d'orge qui descendait, qui ravageait l'autre camp. L'autre a dit, non, on est foutu, c'est l'épée de Gédéon. C'est-à-dire, dès maintenant, Dieu nous a donné entre ses mains, nous sommes livrés. Alléluia. Le problème chez nous, enfants de Dieu, nous sommes endormis. Nous nous endormons tellement. Vous savez que Dieu nous a donné des dons. À chacun de nous, je dis à l'église, hein, ça ne sert à rien de jalouser une personne. Dieu agit avec chacun de nous selon ses dispositions. À chacun de nous, Dieu a imparti un don particulier et utile pour le bon fonctionnement de l'église. Amen. Lorsque tu vois une sœur chanter terriblement bien, ne l'envie pas. Glorifie le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends gloire pour ces dons magnifiques. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui dispatche le don, mais pour l'utilité commune. Alléluia. Quand tu vois un frère qui fait la modération de manière excellente, ne l'envie pas. Alléluia. Parce que en toi, Dieu a doté un don. Hier, on a dit, nous sommes des logiciels. C'est-à-dire que Dieu nous a programmés. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dieu a imparti des dons pour nous. Nous sommes comme dans des pièces de puzzle pour faire une constellation. Chacun de nous a une place. Alléluia. Lorsque nous parlons des corps, mais les corps ne fonctionnent pas. Le corps fonctionne en harmonie lorsque tous les organes sont bien. Bien aimé, tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être beau, moche, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais lorsque un petit grain de sel te rentre dans l'œil, alléluia, ton corps rentre en dysfonctionnement. Nous n'avons pas à nous envier les uns les autres. Alléluia. Lorsque quelqu'un fait des bonnes choses dans l'église, lève le nom du Seigneur, glorifie le Seigneur. Parce qu'à chacun de nous, des bonnes choses et des choses glorieuses ont été dites. Alléluia. Amen. Tu as un don et tu es un don certainement. Le problème maintenant à toi, tu dois tout faire pour déceler les dons qui est en toi. Si tu n'y arrives pas, le Saint-Esprit t'en dira. Et si ça tarde, le Seigneur a établi des anciens à l'église. Pour voir, pour interroger le Saint-Esprit est établi par rapport au don que le Seigneur a fait de toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gédéon avait un don. Gédéon était un héros. Mais Gédéon s'ignorait. Vous savez que l'ignorance est plus dangereuse que le virus de VIH. Alléluia. L'ignorance est plus dangereuse que le virus du sida. La Bible dit, mon peuple s'est détruit à cause de l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu vas droit à l'enfer les jours où tu vas mourir. Alléluia. Amen, amen. Gédéon était celui que Dieu attendait, celui que Dieu voulait, celui que Dieu avait prévu pour le salut d'Israël. Mais il ne se connaissait pas. Le jour où il a entendu de ses ennemis, tellement que Gédéon contestait avec Dieu.
Nous contestons souvent avec Dieu. Ah, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Ah, moi je suis un malheureux, moi je suis un pauvre. Le pauvre ou la pauvre femme que je suis. Mais Dieu voit de toi une héroïne. Alléluia. Mais pourquoi? Il faut remonter dans l'histoire de Gédéon pour comprendre qu'est-ce qui se passait réellement. Qu'est-ce qui a fait que Gédéon arrive jusqu'à cette dimension? Alléluia. Amen, amen. Un héros, c'est quelqu'un, on dit un héros, c'est un vainqueur. Un vainqueur, c'est un conquérant. Un conquérant, c'est un gagnant. Un gagnant, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes soumis à des combats. Dans ces combats-là, nous sommes dorénavant déjà victorieux. Amen. Alléluia. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. Dieu voit de nous des concurrents. Dieu voit de nous, comme on a regardé un film longtemps quand on était enfant, Guillaume les concurrents. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne reculait devant rien. Lorsqu'il montait devant, sur son char, là, il allait, il perçait les camps ennemis. Dieu voit de nous des concurrents, des battants, des guerriers. Nous, nous sommes prêts à fléchir, même devant des petites bestioles. Moi, je suis africain. Vous connaissez les cancrela. Alléluia. Même devant cancrela, tu peux commencer à crier en langue. Ah, Seigneur Jésus. Je pars même loin cancrela, un petit camp. Le cafard. Même des petites souris qui tournent là à la maison. Ah, souris. Mais Dieu t'a donné l'autorité. Parce que tu ignores ton identité. Alléluia. Amen, amen. Dieu a donné des critères par rapport aux vaillants. C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui t'a choisi. Jésus a dit, si nous sommes là, ce n'est pas nous qui avons voulu être là, mais c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. C'est même Dieu a dit à Jérémie, alors que tu étais encore. C'est-à-dire, une masse informe et invide, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Je te connaissais déjà. Je t'avais choisi. Et j'étais établi. Alléluia. Amen, amen. Comme tu es là, Dieu te connaît. Dieu connaît tes problèmes. Dieu n'oublie rien. Le problème, c'est toi. Le but de ces trois jours, c'est que pour que ce qui est sans en toi se réanime. Il faut que les dons que le Seigneur t'a impartis soient en activité maintenant pour l'Église. Alléluia. Alors, lorsque nous étions en train de parler de qualité ou de qualification d'un vaillant héros, on a dit qu'il doit être capable de renverser les autels de Baal. Alléluia. Tu dois apprendre à rompre. Je vais parler un peu là-dessus. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a des liens qui te réclament. Nous avons lu ici dans Cantique des Cantiques, il a dit ceci, rattrape-moi ce renard. Il y a tellement beaucoup de renards dans notre vie. Il y a tellement de renards qui ont ravagé. Vous savez, la Bible regarde notre vie et dit que notre vie ressemble à une fleur. Notre vie ressemble à un champ de vignes. Mais cependant, tellement que nous sommes ignorants de qui nous sommes, par rapport aux liens, par rapport aux choses, aux alliances, le renard sont dans notre vie. Voilà pourquoi nous nous endormons à l'église. Pendant la prédication, tu vas voir des gens en train de ronfler. Les chanteurs sont là pour chanter, enfin les chanteurs. Parce que s'ils étaient des chanteurs, ils devaient rester là. Je ne parle pas de mes enfants, bien sûr. En général. Papa, les chanteurs. Oui, ce sont des chanteurs. Lorsqu'il y a la prédication, ils sortent. C'est les renards qui réclament ce genre de personnes. La Bible dit, attrape-moi ces renards. Alléluia. Amen, amen. Je vais révolutionner ton esprit aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit réveille ou comment réveiller les héros qui est en toi. Pour que Gédéon se réveille, Dieu lui a dit, mais Gédéon, yo poso le kisi. Zoa mon salina yo pour abokita.
Relativisons comment Dieu a parlé. Tellement qu'il a insisté. Il a dit, va écouter ce que le camp adverse pense de toi. Et tu vas changer ton avis par rapport à toi-même. Alléluia. Je vais te dire, tu es une arme plus dangereuse que la bombe des kamikazes. Alléluia. Mais le problème de toi, tu ne fais que ronfler dans lui. Le problème c'est toi, les renards qui te réclament dans ta vie sont là. Ils t'empêchent d'avancer spirituellement. Ils t'empêchent de contribuer, de participer à l'église. Alléluia. Prenons nos Bibles, bien-aimés. J'aimerais nous voir en train de lire. Alléluia. Prenons le livre des Juges. Ma fille, prends vite le livre des Juges 6, 25 jusqu'à 27. Juges 6, 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces lieux fortifiés un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu comprennes une chose. Un vaillant héros est celui qui reconnaît d'abord les alliances qui sont dans sa vie. Pour réveiller les héros qui sont en toi là, tu dois commencer par reconnaître. C'est-à-dire commencer à identifier les renards qui sont dans ta vie. Commence à identifier... Alléluia, les liens qui te réclament dans la vie. Alléluia. Si nous lisons le livre de Genèse 24, vous allez lire ça à la maison. Je vais faire un cheminement. Vous allez voir Abraham, par exemple. Abraham qui envoie son serviteur. Déjà Abraham lui-même, sa femme Sarah était stérile. Malgré la stérilité, par la puissance de Dieu, ils ont enfanté Isaac. Isaac aussi, à son tour, il épouse Rebecca. Rebecca aussi, une femme stérile. Suivez-moi bien. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ils ont enfanté Jacob et son frère. Alléluia. Regardez la lignée. Jacob, à son tour, on ne parle même pas de son frère, mais on parle de Jacob. Jacob, à son tour, il a été épousé une femme. La femme que Dieu a reconnue, c'est Rachel. Il y avait Léa avant. Rachel, la femme légitime de Jacob, était une femme stérile. Alléluia. Regardez ses mains du côté, papa. Le mariage. Mais quand tu viens du côté homme, hier j'ai dit quelque chose ici. Abraham a menti. Il a menti une fois. Lorsqu'il a engendré Isaac, Isaac a menti doublement. Donc, c'est-à-dire, Isaac est devenu menteur. Parce que l'esprit de mensonge était... Alléluia. Isaac engendra Jacob. Jacob, ça veut dire quoi? L'usurpateur, le menteur professionnel. Regardez le lien. Alléluia. Il y a des choses qui nous réclament dans la vie. Comment tu veux être heureux? Voilà pourquoi je te donne Genèse 32. Au Genèse 32, à partir de verset 24 jusqu'à 28, tu vas voir, Jacob va contester avec Dieu. Jacob va se battre avec l'ange de l'Éternel. L'ange lui a dit, tu t'es battu avec Dieu. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Il a dit, quel est ton nom? Alléluia. Dieu a demandé à Jacob, quel est ton nom? Alléluia. Il a dit, Jacob, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Alléluia. Vous vous rendez compte, l'homme qui se battait avec Jacob. Jacob le saisissait tellement. L'homme a dit, non, la moindre des choses à faire, c'est lui casser la hanche. Il lui a cassé la hanche. Cet homme m'a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Il nous manque parfois la violence dans notre manière de prier. Je vais te positionner quelque part dans la prière. Alléluia. La Bible déclare le royaume des cieux depuis les gens, le temps des gens, le baptiste souffre de violence. Jusqu'à nos jours, souffre de violence. Et ce sont des violents. Ah. Toi, la nuit, tu ronfles. Or, la nuit, ce jour-là, Jacob est resté seul.
sa femme, les enfants à côté, l'ange est venu, ils se sont commencés à se battre. Cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Dieu lui a changé de nom. Il a dit, désormais, tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. Alléluia. Bien-aimé, ta bénédiction dépend quand tu prends la décision de changer des choses. Alléluia. Ces jours-là, Jacob voulait certainement en finir avec la malédiction de sa famille. Alléluia. Jacob a été identifié autrement. Il a porté un autre nom. Alléluia. Amen, amen. Comprenez que dans ta vie, tu dois être un homme fort. Savoir prendre des bonnes décisions. Il y a certainement des choses que tu vois dans ta famille. Je donne, je relativise. Tu peux voir la grand-mère n'a jamais été épousée. Quelqu'un vient engrosser. Maman, même, toi, même, et ta petite fille. Ecclésiaste dit ici. Ecclésiaste 3 au verset 15. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène le passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le passé de tes ancêtres t'attend dans l'avenir. Alléluia. Le passé de ton père t'attend dans l'avenir. Jacob n'avait pas demandé à être un menteur spécialiste. Parce que le passé de son papa ou de son grand-père Abraham l'attendait déjà. Jacob était le futur d'Abraham. Alléluia. Amen. Comme Isaac l'intermédiaire n'avait pas réglé la chose, Jacob devait posséder cette malédiction. Alléluia. Ce sont des liens établis. Nos parents ont fait des choses. Un Pierre dit la même chose. Nous héritons tous d'une manière de vivre. Alléluia. Une vaine manière de vivre de nos pères. Nous avons hérité quelque chose dans notre nature adamique. Ne vous posez pas des questions. Oui, moi, je suis dans le Seigneur. Oui. Alléluia. Ton esprit est sauvé. Mais l'âme contient encore des codes que l'ennemi réclame. Parce que l'ennemi sait, non, l'âme, c'est le lieu des souvenirs. Je n'ai qu'à bouger comme une télécommande. Il y a des choses qui vont se réveiller dans cette personne. Ton esprit est sauvé. Alléluia. Ton âme est en train d'être sauvée. Voilà pourquoi tu as besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. La Bible dit que c'est la loi de l'Éternel qui restaure l'âme. Alléluia. Et qui te donne la vie parce qu'il te rend sage. La Bible, il rend sage de l'ignorant. Amen. Alléluia. Tu veux être un vaillant, tu veux réveiller ton héroïque, tu veux être un héros puissant, un vainqueur. Mais commencez par identifier ces choses. Qui sont les renards dans ta vie? Alléluia. Les blocages, les envoûtements, l'adultère, l'impudicité. Alléluia. Il y en a tellement beaucoup, tu les connais toi-même. Tu dois prendre le temps de te lever et te dire, écoute, moi maintenant avec ces choses, ça doit s'arrêter. Bien-aimé, tu peux lire le Nouveau Testament, tu lis Actes des Apôtres 16 au verset 31 jusqu'à 32. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné aussi les bonus du salut de notre famille. C'est bien, c'est biblique, non? Alléluia. Mais toi, tu es à l'église, 25 ans, le christianisme, tu fais toujours des mauvais cauchemars. Alléluia, des mauvais rêves, des cauchemars. Tu te réveilles la nuit. Ah, on étouffe. Jamais tu as rêvé une histoire. L'ange de l'Éternel parie dans ta vie qui te parle. Il te donne une révélation. Toi, tu rêves toujours ta tante qui te poursuit avec des machettes. Comment on appelait ça, les trucs là, avec un... pas la hache. Non. C'était comme des fourchettes. Fourche. Voilà. Tu vois toujours des démons, des tentes, des choses comme ça qui te poursuivent. Alléluia. Amen, amen. Mais tu es dans le Seigneur. Tu prêches la parole de Dieu. Tu chantes. Les chanteurs. L'impudicité. Alléluia. Les prédicateurs. L'adultère. Je ne parle pas des protocoles. Les filles d'accueil, des femmes d'accueil.
l'esprit de séduction de Jézabel dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Ce sont des renards qui nous réclament. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, attrape-moi ce renard. Tu veux être puissant dans l'église? Tu veux participer à la gloire de l'église? Commence par attraper les renards qui dérangent ta vie. Amen. Alléluia. Il y a des liens qui te réclament. Mais tellement tu t'entêtes. Tu dis, moi, j'ai la grâce, c'est fini. Mais toi-même, impudique, 100%. Alléluia. Amen, amen. Prends la décision comme Jacob. Aujourd'hui, je dois en finir avec cette malédiction. Seigneur, je te saisis jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je te saisis jusqu'à ce que tu m'aies délivré. Alléluia. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que toi, tu as vraiment cette vérité? Est-ce que tu connais cette vérité? Parce que si cette vérité habite en toi, tu n'auras même pas le temps de penser au mensonge. Tu n'auras même pas le temps de penser à autre chose. C'est-à-dire que le renard qui te réclame n'aura même plus la place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Comment l'église doit prospérer si au milieu de nous, nous avons encore des personnes enchaînées? Et ce sont les mêmes personnes qui tombent tous les dimanches. Parfois, ils nous donnent des paroles de connaissance. Parfois, il corrige même les pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien aimé, tout ça, ce sont des renards. Ce sont des liens qui réclament les gens. Le pasteur reste l'autorité établie dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Un vaillant héros est quelqu'un qui reconnaît ces liens-là, qui reconnaît ces choses, des alliances. J'ai parlé des alliances. Il faut comprendre par alliance, c'est un accord entre deux ou trois personnes, un accord indéterminé. Lorsque Pierre a dit, nous héritons tous des vaines manières de vivre de nos pères. C'est-à-dire que nos papas, nos aïeux ont peut-être fait des liens. Alléluia. Amen. Moi, je suis sorti de là. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sorti de là. Le Seigneur m'a sorti de là. Amen. Pas moi, mais la famille avait un lien de malédiction. Chez moi, chaque 6 ans, chaque 4, 5, 6 ans, 4, 5, 6 ans, on nous bouffait comme des poules. C'est-à-dire que quelqu'un doit partir parce que c'était un lien. Alléluia. C'était un lien établi. Non, non, on va bouffer, on va bouffer, on va bouffer. Ce n'est pas des morts naturelles. Tu sais des choses qui te lient, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais te prendre quelques minutes. Alléluia. Le temps nous est imparti. Ma fille, prends-moi 2 rois. 2 rois 4 au verset 1 jusqu'à 2. On va aller plus vite. 2 rois 4. 2 rois 4. C'est une histoire que j'aime bien. Mais j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Parce que la Bible a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Nous devons attendre des êtres spirituels, nous affectionner des choses célestes. Nous sommes tellement terre à terre. Parce que nous oublions notre manteau spirituel. Alléluia. Allez-y ma fille. 2 rois 4. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Amen, ma fille. Arrête-toi là. Alléluia. Suivez simplement le verset 1. Nous parlons d'un créancier. La femme d'un des prophètes. Alléluia. Amen. Il est allé voir. Il a dit, écoutez. Il est allé voir le prophète. Il lui a dit, écoute, ton serviteur, mon mari, le prophète, est mort. Mais le créancier est venu pour me prendre les enfants. Les enfants sont nés. Ils ne savaient pas cette histoire-là de créancier. Quand on parle de créancier, on parle de problèmes banquiers. N'est-ce pas, homme de Dieu?
Le créancier, c'est quelqu'un qui travaille à la banque. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des dettes que l'homme de Dieu avait pris. Ça n'avait rien à voir avec les enfants. C'était problème de l'argent, problème de dettes. Alléluia. Mais la femme dit, le créancier vient pour récupérer les enfants. Comprenez ce texte. C'est prophétique. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Est-ce que vous, ça ne vous tilte pas dans la tête? Il a une dette, pas une dette, pas une dette humaine, une dette d'argent, une dette. Il a prêté l'argent à la banque. Les créanciers viennent, non, moi je vais saisir les enfants. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ceci, tu souffres aujourd'hui parce que tes parents ont pris des dettes quelque part. Ils ont tissé des alliances, mais ces alliances n'ont jamais été rompues. Voilà pourquoi les créanciers, ici, c'est l'image des diables qui vient récupérer son dû. Alors, lorsqu'il n'y a pas les dieux, prends les enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec les enfants? Voilà pourquoi tu fais les commerces. Les commerces ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu es encore sous ces liens-là. Cette alliance n'a jamais été rompue. Ecclésiaste a dit, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène le passé. C'est-à-dire que si toi, tu veux rompre avec les alliances de tes cocos, de tes parents, c'est à toi de prendre la bonne décision maintenant. Alléluia. De laisser Jésus par l'entremise de son esprit de contrôler ta vie aujourd'hui. Car la Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Christ. Alléluia. Amen, amen. Jusque quand tu comprendras ces choses. Alléluia. Pose-toi la question, qui sont des renards dans ta vie? Les renards. Le renard, ce sont des... Vous connaissez les renards. Ils sont reconnus par leur spécialité. Ce sont ces animaux-là, petit détail, mais ont une spécialité. Ce sont des rongeurs. Ce sont des pestes. Ils ont la spécialité de détruire les champs. Alléluia. Quand tu prends le renard, tu leur laisses là dans ton champ. Reviens le voir le lendemain. Alléluia. C'est leur spécialité. Nous parlons aussi des renards spirituels. Alléluia. Par notre vie est considérée comme un champ de vigne. Lorsque les renards viennent dans notre vie, ils ont pour mission de nous détruire. Alléluia. Amen, amen. 1 Corinthiens 9. Il y a une question qui se pose. Tu as vu quelqu'un planter sa vigne et n'en bénéficie pas de fruits. Mais qu'est-ce qui explique cela? Tu fais ton commerce, mais tu ne manges pas. Tu ne savoures pas les bénéfices. Tu fais les affaires, mais ça ne marche pas. Tu es toujours à découvert. Tu ne vis jamais de dividendes. Il n'y a jamais de bénéfices. Pose-toi la question. Parce que les renards sont dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit tout à l'heure, le renard, ce sont des alliances, des malédictions, des envoûtements, l'aveuglement, le blocage, la stérilité. Aujourd'hui même encore, sortent des kystes par là, myomes par là. Tout ça, ce sont des choses bizarres. La pédophilie, l'homosexualité, ce sont des renards qui rongent. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'ennemi ne joue pas. Même dans des dessins animés, on fait passer les renards. C'est-à-dire, on est en train de déprogrammer nos enfants. Depuis bébé, hein, on met des dessins animés encodés, des messages encodés sataniques qui se constituent en renards pour détruire nos enfants. Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre argent et enfant? Le créancier devait venir chercher son enfant. Ou madame, je vais saisir ta maison. Je vais saisir tes biens. Mais le créancier a dit, moi je vais récupérer les enfants. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme ces fils de diable, Ben-Hadad, lorsqu'il est venu voir le roi de Syrie, il a dit, je prends désormais tout ce qui est à toi, devient à moi. Alléluia. Tes plus beaux enfants deviennent le mien. Tes femmes, ton or devient le mien. C'est ça que le diable fait dans nos vies.
Lorsque l'ennemi vient, regardez ceux qui sont, on sacrifie les enfants. On prend toujours des beaux enfants. On prend toujours des enfants intellectuels. Ça, c'est dans le plan de l'ennemi. Parce que les parents sont dans des alliances bizarres. Et nous, nous sommes là dans l'église 25 ans. Nous avançons pas, nous prospérons pas. Alléluia, nous sommes bloqués quelque part. Un vaillant héros doit comprendre ces choses. Et doit être au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? J'aimerais que tu acclames le Seigneur très fort. Tu acclames le Seigneur très fort. Pierre 1, 18 dit ceci, nous héritons tous des vaines manières de vivre de nos pères. Alléluia. Tu vas voir, si les parents, le papa était un soulard, tu vas voir, le fils aîné risque d'être un soulard aussi. Si ce n'est pas le fils aîné, vous allez voir, un des fils sera un soulard. Si maman était coureur des hommes, là, derrière les hommes, tu vas voir une fille, nous héritons ces choses, c'est automatique. La Bible dit ceci, la malédiction va jusqu'à la quatrième génération. On dit, ah, pasteur, c'est l'Ancien Testament. Alléluia, la Bible est générale. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour que par moi, la loi, ça... Ah, amen, amen. Je t'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit, qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Tu as planté la vigne dans ta vie, tu as fait du commerce, tu as des enfants, mais tu n'en manges pas de fruits. Pose-toi la question. Prends la décision une fois de rompre un peu. Tu identifies ces choses. Comment les choses ne tournent pas dans ma vie? Comment les choses ne marchent pas? Je prends la décision de changer de maintenant. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons lu avec ma fille ici, là. Il faut maintenant apprendre à prendre les décisions. Parce que dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 12, la Bible dit, nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang. Mais le combat de notre vie est spirituel. Amen. Alléluia. Nous combattons des principautés, des dominations, des esprits méchants, des autorités dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Il y a des principautés dans nos vies. C'est quoi les principautés? En fait, ce sont des esprits qui prennent le contrôle de ta vie. Des démons territoriaux, bien aimé. Je te parle, allez lire dans la Bible l'histoire de fou de Gadara. Alléluia. Luc 6, à partir du verset 28. On va lire à la maison. Jésus se présente devant ces foules. Il a poussé un cri. Qu'as-tu entre toi et moi, fils de l'homme? Alléluia. Likamnani yonangai. Cet homme était possédé de démons. Jésus a demandé, quel est ton nom? Il a dit, Légion est mon nom. Légion, c'est une bataillon de 6000 personnes. Donc, il y a plus de 6000 démons dans le corps d'une personne. Vous vous rendez compte, lorsque nous n'avons pas Christ, hier nous avons dit ceci, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Parce que c'est Christ qui est la vie. Alléluia. On voit des personnes marcher, lorsqu'ils n'ont pas Jésus, ce sont des cadavres ambulants. C'est comme ce fou de Gadara, un homme, un fou, tourmenté par plus de 6000 démons. Alléluia. Tellement ils étaient devant le Créateur, ces démons devaient fléchir. Laisse-moi te révéler quelque chose. Les démons commençaient à supplier le roi. Et nous sommes devant le maître. La moindre des choses, jette-nous, s'il te plaît, Jésus, le roi des rois, le Créateur. Jette-nous même devant, à côté là, il y a un pourceau là. Que nous allons même dans le pourceau. Je vais te dire quoi, le pouce. Alléluia. Jésus a fait leur volonté à les sortir. Parce qu'au nom de Jésus, tout démon, tout genou fléchissent. Au nom de Jésus, quelle que soit sa dimension, sa durée, son intensité, les démons sortent du corps d'une personne. 6000 démons sortis, ils sont allés se jeter dans le pouce. Alléluia. Pourquoi dans le pouce? Pourquoi? Parce que c'est pour cela. Dieu n'était pas dans l'affaire de la personne. Tu fais ton commerce, tu amènes tes enfants, tu élèves tes enfants, tu n'as pas Dieu. En un jour, comme cet homme qui élevait ses pourceaux, depuis des années, il a fait ses commerces, mais en une fraction de temps, tous les commerces partirent. Parce que Dieu n'est pas dans l'affaire. Alléluia. Tu es capable.
capable. J'ai dit tout à l'heure, comment toi, tu plantes ta vigne, mais tu n'es pas capable d'en bénéficier les fruits. Parce que ton argent, quand tu as ton argent, la servitude, un oncle, un démon qui t'appelle avec un esprit de possession rapidement, tu peux même attraper une crise cardiaque. Ah ouais, Western Union. S'il n'y a pas, tu pars en découvert. 600 euros, tu vas, tu fais la file. Western Union au Congo, en Afrique et partout. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, mais lorsqu'à l'église, tu gagnes 1400 euros, même pour amener ne serait-ce que 140 euros de dîmes, tu n'es pas capable. Alléluia. Lorsque les 6000 démons sortiront d'un corps, ils viendront se jeter dans tes pourceaux, dans ton commerce. Ils viendront te jeter dans, à la fin du mois, dans ton salaire. Mais je travaille, je ne vois rien. Vous croyez, Nati? Tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, prends la décision de combattre ces choses. Vous savez, il y a un homme, Samson. Alléluia. Samson a rattrapé 300 renards. Je vais te révéler une chose. Le temps nous est imparti, excusez-moi. Samson a pris 300. On parle aujourd'hui des chiffres 3, les chiffres de la résurrection. Samson a pris 300 renards. Il les a liés deux par deux. Et il a mis les flambeaux de feu. Il les a renvoyés dans les camps des Philistins. Alléluia. Lorsqu'ils sont allés dans les camps des Philistins, dans les champs des Philistins, ils ont tout détruit. Il faut prendre la décision, bien-aimé, de rompre avec cette ville-là. Samson a fait ce qu'on appelle le retour à l'expédition. Je t'ai dit ici, là, nous ne combattons pas avec la main ni avec la force, mais nous combattons contre les esprits de contrôle. Tu es ici en Europe, mais là-bas, on te contrôle parce que tu es là dans le miroir, on te voit. On contrôle ta vie. Nous, on connaît des gens dans le quartier voisin, à Paris. Ils se retrouvaient au Congo. L'esprit de contrôle. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, à un moment donné, il faut se lever. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qui peut te sauver. Un vaillant héros, un vainqueur est quelqu'un qui connaît, qui comprend le langage de l'offrande. Alléluia. Amen. Tu ne me crois pas? C'est le seul langage que Dieu comprend. Alléluia. Hier, nous avons lu avec vous, Gédéon, dans le livre des Juges 6, verset 17-18. Gédéon a dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permettez-moi. Hein? Il a dit, restez là, ne bougez pas. Un homme qui fait entendre Dieu. Il a dit, ne bougez pas. Pourquoi Dieu est resté là? Parce que Dieu a entendu parler de... Non, répondez-moi avec assurance. Bon courage, Ngat. Parce que Dieu a pas entendu parler de quoi? Ah. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, restez là. Ne bougez pas, j'arrive. Je vais aller te préparer, t'apporter une offrande. Alléluia. Amen, amen. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends une offrande pour moi à Israël, à celui qui le donnera avec un cœur. Dieu même typifie, qualifie les types d'offrande. La qualité de l'offrande. L'offrande fait avec un cœur. L'offrande fait sans murmure. Quand tu viens apporter ta dîme, tu es coincé, tu es dans serré. Ah, j'allais même payer une facture. Ah, ben, on paye les sous. Alléluia. Bien-aimé, je te donne des éléments pour que tu sois forte. Pour que ta vie spirituelle soit boostée. Que l'on 2019, tu rentres et que tu expérimentes la main de Dieu. Tu plantes ta vigne et que tu bénéficies des fruits de ta vigne. Non, ce n'est pas un oncle sorcier, une tante sorcière qui doit bouffer ton argent. Les enfants ici que nous avons ont besoin d'aller en vacances. Les enfants ici que nous avons, ils ont besoin d'avoir des cadeaux. Amen. Alléluia. Amen. Capable d'aller prêter 1 000 euros, 1 500 pour envoyer chaque fois en Afrique. C'est parce que les renards te réclament encore. La Bible dit, attrape-moi les renards. Quel est ce renard qui domine ta vie, bien-aimé? Alléluia.
L'offrande parle. Ton offrande parle, bien-aimé. Abel et son grand frère Caïn, ils ont apporté tous les deux l'offrande à Dieu. Mais la Bible dit Dieu agréa Abel, Abel et son offrande. C'est-à-dire que Dieu a agréé, a accepté Abel. Et il a accepté aussi son offrande. Toi, tu viens donner l'offrande. Mote mesaya ko kangama. On soignit des gens. Jésus a dit ceci, si quelqu'un veut apporter une offrande à l'église, si se souvient qu'il y a une dent contre une personne, azonga une offrande et achango pembeni wana. Alléluia. Qui le laisse là à côté là et qui va régler les problèmes. Jésus a dit. Alléluia. Vous croyez que Jésus ne comprenait pas que si tu retournais avec ton offrande, tu risques de ne pas ramener. Alléluia. Qu'il laisse là à côté son offrande, qu'il a réglé son problème. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te fortifier. Dieu ne comprend qu'un seul langage, le sacrifice. Alléluia. Trois hommes se sont présentés devant Dieu. J'ai dit, aujourd'hui, c'est le chiffre de la résurrection. Le Seigneur est en train de ressusciter des choses qui sont mortes dans ta vie. Amen. Alléluia. Les dons, les talents que Dieu a impartis, tes affaires vont ressusciter aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi avant d'aller à la fin. Trois personnes se présentent devant Dieu. Pardon. Trois personnes se présentent devant Abraham. Abraham a dit, attendez, il a compris que c'était Dieu. Il a dit, attendez. Je vais préparer pour vous. Écoutez l'offrande de d'Abraham. Abraham a préparé un mets succulent. Lorsque Dieu a mangé. Alléluia. Non, avant cela, Dieu n'avait pas révélé. Alléluia. Bien-aimé, avant l'offrande de Gédéon, Dieu n'avait pas non plus révélé les plans des camps adverses. C'est parce que Gédéon a apporté une offrande. Dieu l'a dit à l'homme, Gédéon maintenant lève-toi. Amen. Alléluia. Amen, amen. Après avoir mangé, Dieu a craqué. Dieu a déclaré, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à quelqu'un ce que je veux faire? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Rabouchata rabouchete. Alléluia. Cacherai-je parce que Dieu a mangé, Dieu a reçu son offrande. Yozo y a une église, yozo y a ma pièce mauve, qu'on n'en a même pas besoin. Même aujourd'hui, quand tu pars à la banque pour les changer, ils ne veulent pas. Et souvent, nous le donnons chez les enfants. Va mettre là-bas. Yozo maudire moi. Alléluia. Bien-aimé, réveillez les héros qui dorment en toi. Tu as tellement de choses. Tu peux donner. Alléluia. La Bible parle de dons de donner. Donner avec liberté. Libéralité, pardon. Le don de donner. Donner, c'est un don. La Bible dit Dieu a tant tes mains qu'il a donné. Amen. On donne par amour. Amen. Tu veux expérimenter la main de Dieu. Mais le bon koyobo, le kengou. Amen. Je suis en train d'aller à la fin. Il y a tellement de choses à dire, je dois revenir. Alléluia. Amen. Acclame les seigneurs. Acclame les seigneurs. Et ça l'opacité. Alléluia. Et ça l'opacité. Mais et fou la yonde. Alléluia. Amen. Le dernier point que je vais te révéler ce soir, pour que tu sois, tu réveilles l'héros qui endort en toi. Comprendre le droit des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends pour moi les offrandes. Alléluia. Amen. Le Moïse qui est l'image de Dieu est visible. Dieu, lui, il est invisible. Dieu ne prend pas l'offrande. Mais il a dit, Moïse, toi, prends pour moi l'offrande de celui qui les donnera avec un bon cœur. C'est tout comme Dieu dira aujourd'hui, prophète, bienvenue, prends pour moi l'offrande. Alléluia. Tu ne me crois pas. Galates 6, 6 dit ceci. Que l'enseignant doit faire part de tous ses biens à son enseignant. Amen. Alléluia. On sert Dieu avec nos biens. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons tout cet homme. Nous devons le servir avec nos biens, avec l'argent. C'est-à-dire que tant au péché mort, au coïma imaté. Alléluia. Cet homme ne doit pas faire l'œuvre si en graissant les dents. Deux Chroniques 20, 20, la Bible dit ceci. Avec Dieu, tu t'as fermé.
Alléluia. Je t'ai parlé de Moïse. Moïse, il est là. C'est Dieu qui l'a établi. Donc, ça y est, Moïse, tout le monde a été. Prophète, Azaloka Moïse. Alléluia. Dieu, tout le monde a été, mais tout le monde a dit au travers de cet homme. Deux phases. Ce qui est céleste et ce qui est matériel. Le Dieu qui est invisible, il a dit, prophète, prends pour moi les offrandes. C'est quoi le problème, nous a dit. Alléluia. La Bible dit 2 Chroniques 2, 20, 20, pardon. Avec Dieu qui est invisible, lorsque tu pries Dieu, tu lui fais confiance, il t'affermit spirituellement, tu deviens puissant. Tu peux prier, les gens tombent, les gens reçoivent la guérison. Alléluia. Mais avec les dieux que Dieu t'a établis, son serviteur, le prophète, bien-aimé, tu réussiras. Alléluia. Tu veux expérimenter les finances, la gloire, les guérisons, passer par cet homme. Parce que Dieu passe par lui pour que sa parole soit accomplie. Alléluia. Amen, amen. Le prophète t'introduit à ton héritage. Je viens à l'introduction, les prophètes, ils prophétisaient déjà pour des voitures. Ces choses-là vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que tu lis avec moi ces versions, on va clôturer par là. Le temps nous est imparti et nous allons prier. 1 Corinthiens 9 au verset 7 jusqu'à 13. Bien-aimé, si tu as sémé avec lui, il a sémé. Il sème, les sacrificateurs sèment dans notre vie tout ce qui est bien spirituel. Quelqu'un peut me le lire rapidement? 1 Corinthiens 9 à partir de verset 7. Qui a fait ce service militaire avec son propre argent? Jamais, hein? C'est l'État. Alléluia. Continue, papa. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Alléluia. Nan yango alona ka vigne a bénéficiera nan ngote. Alléluia. Bien-aimé, toi tu fais ton commerce, mais tu ne manges, tu ne parles plus jamais. Ah. Ton commerce va toujours, ton argent, ça se vaporise. Wow. Comme du vent. C'est toi qui payes un prix. Tu te lèves à 4h du matin. Tu te lèves à 5h tous les jours pour aller travailler. À la fin du mois, tu ne bénéficies même pas de fruits de ton travail mensuel. Mais bien aimé, pose-toi la question. Il y a des renards que tu n'as pas chassés dans ta vie. Alléluia. Allez-y, papa. Bonne question. Alléluia. Amen. Continue, papa. Ok, 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Allez au verset 12, papa. Verset 12. Si d'autres jouissent de ses droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Alléluia. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Alléluia. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen, amen. Alléluia. Je te parle des doigts des sacrificateurs. J'aimerais que tu comprennes, ces hommes sèment des biens spirituels en nous. Donc, ils ont le droit aussi de moissonner tout ce qui est bien matériel provenant de nous. Ce n'est pas un péché, tu achètes une voiture. Je prophétise à ton pasteur. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas un péché. Que tu lui payes un loyer un jour, ce n'est pas un péché. Amen.
Mais cela ne soit pas une pierre d'achoppement. Parce que Dieu a dit que c'est lui qui les donne avec un bon cœur. Parce que Dieu juge et répond selon la qualité de l'offrande. L'offrande est un mystère. Alléluia. Mais tes biens à toi, tes bénéfices à toi, les autres personnes s'en réjouissent. Parce que les liens ne sont pas coupés. Tu peux beau travailler, mais tu travailles pour l'enfer. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois combattre la désobéissance. Tu dois punir la désobéissance. Alléluia. Non, 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 il faut punir le renard. Il faut t'élever. Lève-toi contre toutes ces choses. J'ai demandé à quelqu'un, il faut commencer à renverser les raisonnements. Il faut commencer à renverser les auteurs. Il faut commencer à t'élever. Bien-aimé, comment tu peux perdre en un jour ton pourceau? Le fruit de ton travail, en un jour, tu le perds. Parce que tu ne veux pas saisir que ton argent, pour que tu le fructifies, tu dois remettre les dûs de Dieu. Dans ton salaire, il y a un dû à Dieu, dû à l'État. La Bible dit à Dieu, à César. Ah, c'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Dans nos salaires, l'État prend son dû. Alléluia. Et le dû de Dieu, il est où? Toi, quand tu prends ta fiche de paye, la première des choses, le whisky, la part de Dieu n'existe même pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque j'ai dit tout à l'heure, les 6000 démons qui vont sortir, encore ici, là, regarde, il y a combien d'églises ici, là, dans le bâtiment? Les délivrances qui se passent, les 6000 démons qui vont sortir d'une autre personne, là, vont venir se jeter dans tes pourceaux. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Tiens-toi. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle m'achevait son terme. Elle ne mentira pas.